par la plus grande cuillère. On va le mettre sur nos feuilles à silicone. Donc la feuille à silicone, elle est parfaite hein, pour que ça ne colle pas. Puis ça a aussi un aspect zéro déchet pour ne plus utiliser de papier de cuisson. Donc on prend la pâte avec la cuillère et après on clique deux fois, bah même une fois ça suffit, et la boule sort d'elle-même. On va répéter l'opération 9 fois. Donc voilà, j'ai même réussi à en faire une petite dernière à 10. Donc on va aller mettre tout ça à cuire à 220 degrés à chaleur tournante à peu près 15 minutes. Après ça dépend des fours, hein, donc à adapter en fonction de la puissance de votre four. Je vous dis à tout à l'heure. Un autre atout aussi, regardez, niveau vaisselle, qu'est-ce qu'on a? Un shaker, la cuillère et le bol à pâtisserie. C'est plutôt pas mal. En plus, le tout passe à la vaisselle. Donc, on n'a même pas besoin d'utiliser nos petites ninines. Un top aussi. Bonjour à tous. Voici les cuillères que j'ai utilisées pour la préparation des bouchées savoureuses. La cuillère, la plus grande, elle fait 55 ml. La moyenne, elle en fait 35. Et la petite, elle en fait 15. Rien de plus simple pour le démonter. Le bouton poussoir ici, exactement pareil que nos clics séries. On appuie et on les démonte. Pour un lavage optimal aussi, on appuie ici, hop, et comme ça, ça enlève la petite ailette qui tourne pour éviter que ça colle à nos préparations. Hop, on vient la remboîter ici également, et voilà, et on l'actionne, on appuie. Pour l'actionner, rien de plus simple, avec l'aide de notre pouce, on appuie deux fois dessus, et la préparation s'en décolle, comme la précédente recette que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, vous les voulez, rien de plus simple, contactez-moi en MP ou avec mon numéro de téléphone qui s'affiche juste ici. Et à vous les cuillères. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt. Il n'est pas payé. Ah 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 yeah.